Toujours pas prêt, comme d'habitude. Gérard, tu t'installes, on t'avait dit pourtant dit d'être prêt. Hein. C'est pas gentil. Donc, c'est pour les débats. Donc, on va accueillir. On va accueillir Axel, 18 ans de Poitiers. Bonsoir Gérard. Bonsoir Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir Axel. Non. Bonsoir Philippe, bonsoir Gaël. Comment ? Bonsoir Gaël. Attends, Gaël, s'il te plaît. Non, mais on s'amuse pas à faire comme Marie-Ange Nardi, d'accord ? C'est mes débats, je fais ce que je veux. C'est pas Marie-Ange Nardi, c'est Nagui, Gérard. Bon ben, tu la fermes. Non mais, Gérard, déjà, tu as pas commencé à l'ouvrir, ou sinon tu as dégagé vite fait, bien fait. Mais putain, mais c'est bon, là. Tu vas la fermer ! Bonsoir, Gérard. On va accueillir Gwenaël. Bonsoir, Gwenaël. Oh, qu'est-ce que je viens de dire ? Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Gaël. Salut, Gwenaël. Bonsoir. Y en a qui sont starbés hein, sur Terre. Bah, attends, mais comment veux-tu qu'on dise bonsoir ouais. Bon, pour un... Comment veux-tu qu'on dise bonsoir? Bon, pour l'instant, c'est moi qui parle, d'accord? Ok. Gérard, faut qu'il arrête le café, quoi. Bon, Axel, tu as déjà commencé par te la mettre en veilleuse. Par te calmer. Et déjà, pour l'instant... Axel, il a rien dit, c'est pas moi. Hein. Non, mais attends... Bon, continue, Gérard. Bon, alors, Gwenaël. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir Axel. Bonsoir Julie. Bonsoir Gaël. Et bonsoir mon chien. Bonsoir Gwenaël. Je dis déjà bonsoir Gérard. Et bonsoir Carole. Oh. Bah attends, tu permets toi Carole, je suis pas arrivé à toi. Attends, toi Gérard, j'ai des comptes à régler avec toi, d'accord Alors tu vas te calmer maintenant, ok? Non, attends, mais tu la fermes, sinon tu dégages. Bon, attends, déjà, si t'es pas content, toi, tu vas virer vite fait, d'accord? Pour l'instant, je suis avec Gwenaël, d'accord? Ah bon, tu parles à qui là, Gérard? Je parle à Gwenaël, d'accord, je dois. Je dois parler à Gwenaël. Oh. C'est Gwenaël, bon, vous fermez. Gwenaël redit bonsoir Gérard. Bonsoir Gwenaël, merci pour moi de m'avoir répondu. C'est sympa à toi. Bah, c'est bien français ça. Hein. Ouais, il cause bien la France Gérard. Mais quand attends, même, hein. Ouais, non mais attends toi, je vais m'occuper de ton cas après Gwenaël. Pourquoi? Il va s'automiser hors antenne. T'as une voix toute mielleuse, Gérard, avec Gwenaël, c'est drôle. Mais alors, c'est... qui c'est qui demande ça? Bah, c'est normal, Gérard, c'est Winnie l'ourson, il mange du miel. Alors, Gwenaël, qu'est-ce que t'as à répondre là-dessus? Tu as une voix toute mielleuse? Oui. Oh, moi, rien du tout. Rien du tout, d'accord. Et je suis Winnie l'ourson. Bon, ta bouche à toi, Médor. On va connaître Gwenaël. Ouais, c'est moi. Salut, Gwenaël. Bonjour. Ouais, comme par hasard, comme si j'avais pas l'air. Ouais, on a à peine reconnu les voix là. Je suis la première fois que je passe sur l'antenne, Gérard. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme par hasard. C'est ça. Comme par hasard qu'il est là. Comme par hasard, Gwenaël, il est là, bien sûr. Allez. Patchouli. Bonsoir. Bonsoir, Patchouli. Bonjour. Vous éteignez les radios derrière, s'il vous plaît. Oh, tu te calmes. Oh. Ouais, attends. Attends, Axel. Mais c'est pas moi, mais j'ai rien dit là. Mais c'est bon, faut calmer, on va prendre... Oh déjà, je vais pas commencer. Faut pas prendre des gens qui ont des canards sauvages non plus. Tu la fermes. La polio sexuelle, bah. Bon, bon Manu, là, tu vas te réveiller, je te le dis tout de suite. Ok. Tu vas te manier, tu vas calmer celui qui s'amuse avec la musique. Quand t'as cassé avec ta caméra. On y va, Gérard? Bon, Gérard. Bon, on va peut-être commencer, là, quand même, hein. Non, mais je vais continuer les présentations, d'accord? C'est moi qui commande. Ok, on en a pour 3/4 d'heure, c'est cool. On va accueillir Carole, 22 ans de Paris. Bonsoir, Carole. Arrête, Carole, tu me fais bander, là. C'est vrai. Bon, ben, j'en connais tout à l'heure qui vont faire un débat et qui vont dégager, ça va aller vite. Bonsoir, Gérard. Et Ludivine. Bonsoir, Ludivine. Bonsoir, tout le monde. Bon, première question. Alors, je vous préviens, vous avez intérêt de... Vous avez intérêt de vous réveiller. On est réveillé là. Arrête de crier. Descends dans la cabine. Première question, Gérard. Déjà, première question. Une. Une. Pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse. Ok. Non, tu baisses ta radio. Gérard, si vous pouviez éviter au début du débat systématiquement de parler à quatre en même temps, c'est inaudible. Donc essayez de respecter Gérard et ses questions. Et petit à petit, on va descendre dans l'enfer. Okay. Déjà une. Déjà, il y en a un qui est avec un portable. Ouais, on l'entend. Avec un portable. C'est raison.
Donc, c'est Gwenaëlle, t'as un téléphone pourri, Gérard. C'est Gwenaëlle. Mais évitez de parler en même temps, tous, tout le temps, s'il vous plaît. Merci. Donc, je te préviens d'une chose. S'il y en a un... Si vous avez pris la zone là pour rappeler les mêmes, c'est même pas la peine. Mais non. Donc, Gwenaëlle. Gwenaëlle. Mais attendez, s'il vous plaît. Gwenaëlle, est-ce que t'as un téléphone portable? Non, j'ai pas un téléphone portable. Bah, d'accord. Je vais te dire ouais. D'accord, donc je préviens tout de suite que le premier qui me met du son dans les oreilles et qui a un téléphone pourri, Gérard, première question, s'il te plaît. Ouais, bah attends, pour l'instant, c'est moi qui commande et déjà, vous allez vous la fermer. Bah alors, première question. Je te préviens, Axel. C'est pas moi, j'ai rien dit. Non, mais c'est jamais toi. Bon, pour ou contre quoi, Gérard? C'est pas moi, c'est Ricky Martin qui arrête pas de me dire des conneries. Bon, ouais. Tu as commencé par me calmer un peu. Je me calme. Gérard, première question. Alors, pour ou contre la vie en couple? Alors, je vais demander à Ludivine. Oui, Gérard. Alors, quelle est ta question? Parce qu'avec tout ce brouhaha, moi, j'ai rien entendu. Alors, pour ou contre la vie en couple? En couple, je connais pas. Alors, pour ou contre? C'est qui encore ce abruti là qui déconne quand je pose des questions? Ouais, c'est qui ça encore? Gérard, t'es infidèle. Gérard, puis-je répondre à ta question? En caramel, on t'a reconnu. Oh! Manu là! Mais c'est bon, pose ta question! Mais attends, pour l'instant, je pose une question à une nana. Pour l'instant, j'ai les mecs qui répondent. Alors, ils vont se taire 5 minutes. Et alors, Ludivine? Alors, oui, Gérard. Pour ou contre la vie en couple? Alors, je suis contre la vie en couple. En couple? Et tu es pour la vie en couple? Le prochain mec que j'entends, ça, il se dégage. T'es contre la vie en couple, c'est ça? En couple, oui. Et pour la vie en couple? Et voilà, pour la vie en couple. Silence. Entrez. Ouais. Qui va là? Oli. Qui va là, je te prie? Gérard, j'ai peur. C'est quoi la question? Gérard, il y a quelqu'un. Pensez-vous y avoir mis bien profond? Attention. Je te préviens, tu vas te démerder. Non, Gérard, il y a quelqu'un. Tu vas te démerder, Manu, au standard. Bon, ça va pas durer les deux débats comme ça. Alors moi, c'est pas comme ça avec le bruit et le mec avec la musique derrière. Gérard, tais-toi. Moi, je pense que vivre en couple, c'est tout à fait possible. Qui c'est qui parle? Carole. Non mais attends, Carole. Mais elle a répondu à la question là, moi. Ouais, d'accord. Alors, donc, je Ludivine, t'as répondu. Parce que je vois que le débat n'avance pas. Vas-y. Non mais elle a raison. Donc, la vie en couple, je suis pour, mais il faut une indépendance. T'es pas d'accord avec moi, Gérard? Non, pour l'instant, j'ai... C'est-à-dire, quand j'aurai envie de sortir seule, je sortirai seule. Quand tu auras envie de sortir seule, il sortira seule. Du moment qu'il y a la confiance, tu penses pas, Gérard? Bah ça, pour l'instant, je vais faire le tour et je répondrai à ta question. Ah ok, chacune derrière les autres. Patchouli? Oui, Gérard. Ouais, bah moi, c'est pareil que Carole. C'est une certaine indépendance. Mais ouais, la vie de couple, c'est important. D'accord. Voilà. Bon, à mon avis, de toute manière... Tu vas dégager. Ouais. Pourquoi? Qui va dégager? Non, pour l'instant, Gonard. Attends, vous me laissez parler là. Moi je pense que la vie en couple c'est bien, mais parce que bon, c'est le symbole que t'es avec une personne, mais bon, à la limite, je vais te dire ouais quoi. Non mais attends, Gonard, de toute manière tu crois que j'ai pas reconnu ta voix? Attends, mais non, mais je suis là. T'es un habituel, alors tu dégages au standard, je vois pas des habituels sur le premier débat. C'est un habituel, il s'appelle David. Il s'appelle David, c'est un habituel. Je veux pas le savoir. Moi je voudrais dire que Gérard, David n'habite pas à Lyon, Gonard est de Lyon, le numéro c'est 0, ça commence par... Alors c'est quoi là ce bordel? Attends, il y a plusieurs gens qui peuvent faire... Non mais attends, c'est quoi là? Il y a une jouissance partie à côté là, mais ouais. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Non mais c'est bien, jouez au con standard. Ok, jouez au con standard, vous allez voir. Jouez pas au con standard. Gwenaëlle, la merde. Voilà, c'est clair. Gwenaëlle. Oui, donc bah moi je suis pour la vie de couple. Parce que, bon bah, je suis contre la vie de couple. De toute manière, un homme ne peut pas se passer d'une femme et la femme ne peut pas se passer d'un homme non plus. Et l'homme ne peut pas se passer de l'homme et la femme... Non mais attends, pas... pour l'instant... Pour l'instant, je pose la question à Gwenaëlle. Les autres derrière, vous la fermez s'il vous plaît, merci. Donc je disais que c'est pour la vie de couple,
parce que bon, ça solide les liens dans un ménage, quoi. Attends 5 minutes, Gwenaël. Là, Gérard a coupé son micro. Le mec de Lyon, c'est un habituel. D'accord, c'est quelqu'un que vous avez rappelé. Je veux juste te dire qu'un débat, c'est pas chacun son tour. Quand les deux filles, elles veulent parler, tu peux laisser. Ça s'appelle un dialogue. Ouais. C'est pas juste chacun son tour et mais tu attends, réponds mais... à ton question. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas... Laisse ton truc allumé, c'est pas grave. Non. Mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de s'amuser avec le mec de Lyon, alors que je reconnais sa voix. Bon, d'accord, mais attends. Mais ceci dit, quand les nanas elles veulent parler entre elles, tu les laisses parler, ça sert à rien de dire chacun votre tour, on dirait un dictateur. Ouais, bah alors. Après, tout le monde veut mes réactions. Mais non, alors, déjà, le gonard de Lyon, j'y répondrai pas à sa question. Tu dis à Manu qu'il te... Alors, le gonard de Lyon dehors. Ok. Hein. Le gonard de Lyon. Gérard, c'est la première fois que ça t'a tu réponds un peu, tu c'est pas juste poser des questions, c'est nul tes débats, c'est quand même. Bon, Max. Bon, pour l'instant, c'est moi. Donc, je termine avec Gwenaël pour la question et après, je pose à Axel. Et après, je réponds. Celui qui s'amuse à tirer sa crampe en même temps, il va dégager. À tirer sa crampe ? Sa crampe ? Ça veut dire quoi ? À tirer son cou en même temps quand je parle. Ça te dérange ? Oui, ça me dérange très sérieusement. Ça devrait t'exciter, Gérard. Alors celui qui a la radio derrière, il arrête. Le portable, il arrête. Bah Gérard, on démarre le débat quand tu le sens, quoi. Bon, quand alors, tu le sens, hein. Bon, Gwenaël, pour terminer. Ouais, ben Gwenaël, elle a répondu, donc elle est d'accord pour la vie du couple. Mmh. Et que je trouve qu'il n'y a rien de tel pour un homme qui aime une femme et vice-versa de consolider les liens en formant un couple, en formant un seul être. Mmh. D'accord. Axel, pour terminer, bah... après je donne ma réaction. Ouais, bah moi je suis pour la vie en couple, quoi, parce que tu sais très bien que Gérard, quand on aime quelqu'un, on est forcément deux. Mm-hmm. Et donc deux est égal forcément à un couple. Donc moi je suis pour la vie en couple, quoi, et vive l'amour, quoi, je voulais dire. Alors je te préviens, Axel, si t'as quelqu'un derrière toi, tu le dis tout de suite. Eh, y'a personne derrière moi, mais putain. Mais Gérard, allez. On accueille Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Bonsoir Jérôme. Salut, j'appelle Bordeaux, je m'appelle Jérôme. Ah ben c'est bon, alors tu réponds. Ben moi je pense que la vie en couple c'est bien. Mm-hmm. Parce que moi c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est que la personne qui elle s'aime. Bon, celui qui s'amuse avec la CB. Les CB et les portables, vous arrêtez, d'accord? Vous on passe à la deuxième. Comme ça, vous n'aurez pas, pas la réponse sur ma première, ça vous apprendra. Est-il possible de vivre en couple à 3 ou à 4? En couple déjà. D'accord. Bah, c'est déjà ça fait on peut vivre à 3 déjà. Bon, on va demander à Carole. Alors, moi, j'aimerais bien vivre avec une femme et un homme en même temps. Mmh. Ouais, bah, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime les femmes et les hommes, Gérard, tu le sais très bien. Est-ce que je te plais, Gérard? Non, tu me plais pas du tout. Ah bon? Carole, tu veux vivre avec moi? Ouais, je veux bien. Et mon père avec moi? Je veux bien, on sera l'amour à trois, alors. Ouais, bah ouais. Je sais pas si on peut inviter Gérard, mais... C'est moi qui pose les questions. Non, mais attends, Gérard, on est en train de... Je sais pas, on parle de la vie à trois, là. C'est super intéressant. Non, mais pour l'instant, vous répondez aux questions. Donc, il aime pas les filles. Ouais, comment? Non, mais c'est vrai, Gérard, t'aimes pas les filles. Et je préviens une chose, ouais. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. On n'en finira jamais, Gérard, de ton débat, hein. Non, bah si t'es pas contente, c'est le mépris, tu raccroches. Oh, on va tout, ouais. Ok. Oh, c'est le gonard de Lyon, ça, j'en suis sûr. Hein. D'accord. Gonard de Lyon. Non, gonard de Lyon, il est plus là, c'est Jérôme qui l'a remplacé, d'accord? Bah oui, je sais, c'est moi. Non, bah attends, si tu te fais passer pour un autre nom, mon pote, c'est pas la peine, hein. Mais on n'avance pas là. Je te dis que c'est Gonard de Lyon qui fout le bordel là. Bon, toi tu es la ferme déjà, ok? D'accord. Vous avez pas commencé à m'emmerder sur le premier débat. Je t'ai pas, Gérard, c'est bon, d'accord. Gérard, c'est clair et net. Gérard, à la suite. Quelle est la. Ouais, vous arrêtez, s'il vous plaît! Bon, ouais, au standard là! Quoi? Manu, tu me vires tous les mecs là, alors? Mais pourquoi Gérard tous les mecs? C'est peut-être non, c'est non, peut-être non! Je veux pas savoir, il y a quelqu'un qui a une musique derrière! Il y a peut-être une fille qui fait ça, c'est pas possible! Non, il y a aucune nana qui s'amuse! C'est ça qui est marrant, quoi, c'est tout le temps les mecs et jamais les filles! Ouais, c'est vrai! Ouais, parce qu'il y a que vous, il y a Paramount, c'est toujours les mêmes que je veux! Avec des mecs à l'antenne, bien sûr! Ouais, d'accord, David et Luigi et Arnett,
Vous croyez que je vous ai pas reconnu? Mais ils sont pas là. Ouais, bien sûr, on t'a reconnu, Fantomas, enlève ton masque. Ah, arrêtez vos conneries, d'accord? Bon, Gérard, avance. Je vous ai à peine reconnu. Gérard. Ah, Axel, tu crois pas que tu t'appelles pas David? Et moi, tu m'as reconnu, moi? Vachement David, ouais, bien sûr. Hein? Bon, Gérard, tu m'as reconnu, moi? Alors maintenant, vous savez, c'est simple. Comment? T'es pas poli, Gérard. Non, mais attends, de manière, j'avais précisé, je veux pas les mêmes. Et comme par hasard, Gérard, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Presque pas. Mais Manu Gamin. Non. Mais non, c'est pas les mêmes. Moi, je les ai pas reconnus en tout cas. Non, c'est pas les mêmes. Non, presque pas. Alors, arrête de gueuler, reprends ton débat. Non. Non, c'est pas les mêmes. Tu crois que je les reconnais pas à leur voix? Reprends le débat, Gérard. Faut le dire, allez. Gérard, je pensais effectivement qu'un ménage à trois était la meilleure des solutions. Pourquoi pour toi? Parce que je t'ai déjà dit, j'aime les femmes et les hommes. Donc ça serait bien d'être à trois. Mais pourquoi? Parce que j'aime lécher les moules, tu comprends pas ou quoi? T'as jamais fait ça ou quoi? Bah ouais, ça. D'accord. C'est insupportable. Donne ton avis. Moi, de manière, je suis contre. Et toi, Gérard? Jérôme, il peut répondre? Ouais, vas-y, Jérôme. Moi, je pense que c'est bien parce qu'on peut avoir plus de plaisir. Enfin, pour un mec, s'il est avec deux filles ou s'il est pédé, il peut être avec un mec et une fille. Oh, exactement. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour le plaisir, quoi. Et toi, fait. Gérard? Mais ça peut pas être durable. Gérard, et toi, que t'aimeras avoir deux femmes? Non. Gérard? Oui. Donc c'est Gwenaël. Oui, Gwenaël. Et donc, moi, je trouve que, oui, bon, c'est possible d'avoir un couple à 3 ou un couple à 4. Mais à ce niveau-là, j'appelle plus ça un couple. Et non, pourquoi? Mais attendez, attendez. Attendez. Mais alors, maintenant, pourquoi pour toi, pourquoi Gwenaël pour toi? Ouais. Eh ben, pourquoi? Tu me les calmes là derrière quand Gwenaël parle, s'il te plaît, quand on pose une question. Ils sont calmés, Gérard. Gwenaël peut parler. Un couple, c'est deux personnes, et non pas trois ni quatre. L'homme se donne entièrement à sa femme et la femme entièrement à l'homme. On fait pas l'amour à trois ni à quatre, quoi. Ça c'est pas. Mais pourquoi pas? Non, mais attends! C'est un trio et 4 c'est un quatuor et c'est tout. Ouais, non, mais attends, Tony et Arnett, là pour l'instant j'ai reconnu vos voix, d'accord? Mais je voudrais passer un bonjour au cochon. Non, c'est bon! Gérard, bonjour, tu le dégages! Tu peux répondre s'il te plaît? Pour l'instant, je vais répondre à Gwenaël. Donc, moi je vais te dire une chose, je préfère l'amour à deux qu'à plusieurs. Ouais, Jean-Luc répond. Gérard, c'est Axel, est-ce que je peux répondre? Pour l'instant, je réponds. Je réponds à la question à Gwenaël, je dis, je préfère être à deux qu'à plusieurs, parce qu'à deux, c'est le plus beau, et c'est tout. Avec voilà. Gérard, t'as rien compris à la vie, alors. C'est plus beau comment? Attends, celle qui dit que j'ai pas compris à la vie, je vais dire une chose, que j'irai jamais faire échange avec une personne que j'aime. Gérard, est-ce que tu m'aimes, alors? Est-ce que tu fasses l'amour? Qui? Maintenant. Carole. Maintenant, là? Pourquoi? Maintenant, téléphone. Non, Carole, je te dis non. Pourquoi? Tu vois, quand ça, parce que la dernière fois, j'étais avec Samir, c'est ça? Non, mais de toute manière, t'as pas besoin de donner les noms à l'antenne, hein, d'accord? C'est avec Carole. 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 Oui. Carole, je te préviens. Oui. Tu donnes tu redonnes encore un nom comme ça, de toute manière, tu vas pas rester longtemps, hein. Je te le dis tout de suite. Excuse-moi, maître de l'univers. D'accord. Alors, quel est le. La vie. Non mais Gérard, je crois qu'elle voulait faire l'amour avec toi au téléphone, Carole. Non. Si. Allez Gérard, mais sois pas jaloux Gérard, je suis 4 ans. Sois pas pressé Gérard. La dernière fois j'avais pris un verre de trop, tu comprends? Non mais attends. Question Gérard, à quel âge t'as commencé tes premières relations sexuelles? Attends, c'est pas le jeu de la vérité. On est dans les débats. Qu'est-ce que tu voulais dire Gérard? Quelle est la différence entre le couplet? Entre ta couille droite et ta couille gauche, c'est ça? Bon, alors, hop. De quoi? Hop. Bon, hop. Tu me les vires. Ça vaudra mieux. Non, mais attendez. Pour l'instant, c'est moi qui commande, d'accord? Il y en a qui s'amusent à mettre de la musique alors que je pose des questions. Mais écoute, Gérard, attends. Gérard, tu sais très bien comment je t'aime, je suis folle de toi. Qui? Carole.
Non mais attends, faut pas prendre des gens pour Gérard, des faut pas prendre les gens pour des cons. Tu t'es pas fait la bise, c'est pour ça. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sauteras tout le lit. La prochaine fois, je te ferai un smack si tu veux. Ouais, non mais attends. Mais pour qui elle se prend, elle? Il y aura pas de prochaine fois, je te le dis tout de suite. C'est vrai, mais qu'est-ce que t'as contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non mais rien du tout. Bah alors, explique-toi. Non mais de toute manière, je m'explique pas en direct, d'accord? Ouais, d'accord. Ok. Alors, en de bon entendeur, salut. Mais t'es jaloux simplement, c'est tout. Bah alors, je fais ce que je veux, d'accord? Je règle pas mes comptes en direct. Ok, on verra ça en antenne, mon amour. Ouais, bah, de toute manière, en antenne, je te reprendrai pas en antenne. Ouh là là, monsieur Flapette, hein, depuis qu'il est une star. Ah, ça y est, carrément, hein. Donc, maintenant, vous avez écouté la quatrième. La vie en couple est-elle plus facile et plus amusante? Alors, on va demander à Axel s'il est toujours là. Ouais. Alors, Axel. Ouais, la vie en couple, c'est beaucoup plus amusant qu'à une personne, c'est sûr. Oui. Quand on veut faire l'amour, vaut mieux être à deux que tout seul. Non, mais la vie de couple est-elle plus facile et amusante? Alors, tu me réponds. Mais plus facile, attends, mais quoi, couple, quoi, ouais, Carole, pour l'instant, tu te tais, c'est pas Carole, alors tu vas te calmer maintenant, ok? Oh, c'est qui ça? On peut revenir sur la question là? C'est qui vient de parler comme ça là? C'est Axel. On peut revenir sur la question? Non, mais la nana qui vient de me parler comme ça, va se calmer. C'est Carole. Ah, c'est pas moi, c'est pas vrai. Enfin bref. Ouais, c'est pas grave, passons. Enfin, tu disais, passons. Ouais. Bon, alors, dans ce cas-là... Mais c'est quoi ce bordel, là? Oh, Allez. Gérard, t'es sur un portable ou quoi? Axel. Oui. Tu réponds, s'il te plaît. Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Non, je viens de te la poser. Mais t'as dit... Attends, est-ce que tu crois que la vie de couple est plus... Amusante. Est plus facile et amusante. Tu travailles, s'il te plaît, ou tu dégages? Et plus quoi? Amusante, merde! À plus amusante que quoi? Oh là, elle dégage! Bah, exprime-toi, tu me sors, Axel! Explique-lui, Gérard! Non! Mais j'ai pas compris la question, tu dis plus amusante, mais plus amusante que quoi? Je sais pas, moi! Punaise, tu sais pas, t'as envie d'écouter la question! Putain, mais lui, il fait des questions à la mort moelle-neu, puis après, il... Bon, Gwenel! Sur Minitel, il y a Gérard, c'est moi, qui dit: Gérard, ton cœur, pense à ton cœur. Et c'est vrai, arrête de crier comme ça, ton cœur. Non, je m'en fous. Gwenaëlle, je t'écoute. Donc, apparemment, Estelle n'avait pas compris la question. Bah, si uniquement, à mon avis, tu veux savoir si, dans un couple, on s'ennuie ou si on s'ennuie pas. Alors, moi, je dis que c'est uniquement, déjà d'une, une entente avec son partenaire. Mm-hmm. C'est très important. Et par la même occasion, il ne faut pas tomber dans la routine habituelle. Voilà, je suis d'accord. Moi, je sais que... Je suis d'accord aussi. Il faut changer des habitudes de manière à ce que ce ne soit pas toujours répétitif. Bon. Et tout en aussi. Bon, c'est bon. Alors, je vais poser la quatrième question. Et moi, je ne savais pas, Gérard. Non, mais on est tous d'accord. Ouais, j'en connais tout à l'heure, je vais les prendre en antenne et ça va chier. Ça va faire mal tout à l'heure. J'aurais peur, hein. Ouais, de toute manière, Gwenel, je te prends tout de suite pendant la musique. Les nouveaux phoques avec C'est à toi de faire la vaisselle. C'est à toi de faire la vaisselle, les Gérard. Nouveaux phoques. Bon, Gérard. Les nouveaux phoques avec C'est à toi de faire la vaisselle. Voilà, d'accord. Et on se retrouve. Et la quatrième question. C'est quoi? La quatrième question. Non, Gérard, ton casque. Gérard. Ton casque. Gérard, vite. Et tu poses la quatrième question. Et la quatrième, c'est... Non, la cinquième. Que pensez-vous des couples donc, célibataires? Toujours la suite des débats du jeudi soir. Donc on va récupérer... On récupère Axel. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir, Gwenaëlle. Rebonsoir, Gérard. Patchouli. Rebonsoir, Gérard. Bonsoir, Carole. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Ludivine. Non, c'est Valérie, Gérard. Valérie à la place de Ludivine. C'est Valérie à la place de Ludivine. Oh. Valérie, bonsoir. Salut, Valérie. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Valérie, on se réveille, s'il te plaît. Je suis réveillée, mais si tu m'entends pas, c'est pas ma faute, hein. Voilà, bon. J'ai pas lavé les oreilles. On se calme. Et poupoune. Bon, Jérôme est toujours là? Ouais, il est toujours là. Ok. Donc, on y va sur la cinquième. Ouais, elle est terrible, la cinquième question. Carrément, vas-y, répète. La vie de couple pour moi, Gérard. Moi, je peux pas répondre. Ouais, pour l'instant, vous allez vous taire. Non, vas-y. Vous allez vous taire et c'est moi qui pose les questions, d'accord? Et vous répondez chacun votre tour. T'es enfant, d'accord. Ok, je vais te dire, ouais, d'accord.
Celui qui s'amuse à dire ça, il va tourner voir Manu au standard. Oui, ouais. D'accord, merci. Donc moi, je voudrais répondre à la question de Gérard. Alors, que pensez-vous? Les couples célibataires. Voilà. Donc, alors, moi, alors, on va demander à... Bon, Valérie, tiens. Oui. Valérie, pour toi. Qu'est-ce que tu penses de l'autonomie, alors, s'il te plaît, il y avait tout le monde qui parlait. Bon, alors, que pensez-vous des couples célibataires? Bah, tu peux me tutoyer, hein. Que penses-tu des couples célibataires? Ben, j'ai jamais essayé. Et puis, c'est pas évident, mais ça doit peut-être être bien, pourquoi pas. Mm-hmm. D'accord. C'est quoi un couple célibataire? Diront-ils répondre. C'est quoi un couple célibataire? Ah, mais non, mais de toute manière, un couple célibataire, pour l'instant, c'est qu'ils sont pas mariés, d'accord? Ils vivent, on sait pas s'ils vivent en concubinage ou autre. Ah, ben alors, comme toi, Gérard. Moi, pour l'instant, je suis... c'est pas le jeu de la vérité, d'accord? Donc, si vous voulez mon avis, à l'heure actuelle, je suis divorcé, donc pour l'instant, j'ai personne. T'as combien d'enfants? Plus enfoncé à l'arrière, quand même. Bon, alors, dans ce cas-là, Manu... Ça y est, il est parti. Tu le chopes, celui-là, de manière, ça y apprendra. Il aura compris sa douleur. Et j'en connais un autre tout à l'heure, si ça continue, il va faire le même topo que l'autre. Hein. Qui ça? Ouais, qui ça, tu vas voir tout à l'heure, qui ça? Par exemple Carole. Ah ouais, d'accord. Alors, à ton tour. Non, mais ouais. Tu travailles, Carole. Je vais te dire, ouais. Tu me prends, ouais. Tu me les prends tous quand quelqu'un veut parler, là, parce que c'est le vrai bordel, hein. Merci, Gérard. Voilà. Donc, Carole, tu réponds, s'il te plaît. Alors, moi, je pense que les couples célibataires, ça n'existe pas, puisque pour moi, un couple célibataire, c'est une seule personne. Mmh. Mais qui forme un couple. Une seule personne qui forme un couple, c'est ça, Gérard? Ah oui, oui, là, effectivement, ça peut exister. Bah, attends. Comme Gérard. Bah oui. Gérard forme une seule personne. Ça fait longtemps que t'es avec ton conjoint, Gérard, il est plein. Ça fait longtemps que t'es avec ton conjoint? Pour l'instant, je suis avec personne et je commence à n'avoir ras-le-bol. Ton couple va bien? J'ai pas regardé ce matin s'il allait bien, mon couple. Voilà, ça vous apprendra. Donc, Carole, tu continues? Oui, donc j'ai répondu à ta question. D'accord. Pas de soulis? Bah écoute, moi ce que je pense, c'est que ça peut être pas mal de point de vue tout ce qui est impôts, etc. Ouais. Mais quand même, se marier, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Ça prend ouais, mais chose. attends, pas de soulis. Oui, oui, j'ai Bon, moi je vais te dire une chose. Oui. Est-ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu crois se marier? Oui. En étant jeune? Oui. Ça, pour vous, ça vous fait quelque chose. Est-ce que tu préfères pas, avant le mariage, parce que de toute manière, on va revenir là-dessus, on va revenir sur... Gérard, excuse-moi, 30 secondes, on a Nicolas à la place de Jérôme. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Salut Gérard. Salut. Nous. Ça va? Mmh. De Rouen. Oui, d'accord. Gérard. Bon, celui qui s'amuse à mettre la musique derrière, il se calme, s'il vous plaît, merci. Gérard. Donc, je réponds à Patchouli. Oui. C'est Gwenaëlle qui voulait poser une question. Alors, attends, tu voulais répondre. Attends. Oui, mais attends, Gwenaëlle. Non, mais c'est parce que j'ai une raison. Oui, mais je vais répondre à Patchouli, s'il te plaît. Ben c'est justement pour aller en rapport avec Patchouli. Bon. Donc, moi, je vais vous dire une chose, de toute manière, la meilleure chose à l'heure en ce moment et même maintenant, c'est pas le mariage qu'il faut voir tout de suite. Attendez, pour l'instant, je réponds, parce que je vais vous dire une chose, si vous vous mariez trop vite, vous savez comment ça se termine. Ouais, un divorce. Un divorce, ouais. Et après... Comme toi, Gérard. Et après, 12 enfants sur le dos. Donc, je peux intervenir, Gérard? Donc, celui qui s'amuse à mettre ça, il va se calmer tout de suite. Non, comment demande. Non, il n'y a pas de caramel. Attends, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. On va demander à Gwenaëlle. Ouais. Mais il en a que pour Gwenaëlle. Donc, c'est pas possible. Non, mais attendez. Non, mais c'est la grande histoire d'amour. Attendez. Oh, qui c'est qui est pas content là? Parce que je donne la parole à Gwenaëlle. Non mais attends, nous dis pas qu'il y a rien entre toi et Gwenaëlle. Pour l'instant, Gwenaëlle, elle a pas encore répondu à la cinquième, mais maintenant elle va répondre, d'accord? Ouais. Et avec Gwenaëlle, il y a rien entre nous, d'accord? Vas-y Gwenaëlle. Okay. Alors si vous êtes pas contente, c'est le même prix les trois nanas que j'ai. Ok, oui, monsieur. Ok. Ok. C'est clair et net. C'est clair. Bon. En de bon entendeur, salut, je veux pas entendre une connerie comme ça. Mais Gérard, on sait très bien que Gwenaëlle et toi, il y a quelque chose. Il n'y aura jamais rien de toute façon. Non mais si, c'est obligé. Bah alors qui c'est qui... Alors attendez. Alors Gwenaëlle, tu vas attendre. Maintenant, qui c'est qui vient de dire ça? Je sais pas, c'est elle.
Je crois bien que c'est Mimi Mati. Hein. Ouais, ouais, mais à mon avis, c'est Carole. Ah non, mais pas non, mais arrête d'accuser Carole tout le temps. Ouais, c'est vrai, merci. Alors, tout ce qui était dire qu'il y avait quelque chose entre moi et Gwenaëlle. Attends, Gérard, t'as vu comment tu lui parles? T'as vu comment tu lui parles? Attendez, vous avez tous répondu, il y a quelqu'un qui n'a pas répondu, d'accord? C'est le meilleur point. Ouais, mais d'accord, mais depuis tout à l'heure, t'as une voix toute mielleuse. Et alors? Bah voilà, mais ça prouve que. Et alors, Gwenaëlle, elle a pas encore répondu, d'accord? Oui, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle n'ait pas répondu. Et alors, pour l'instant, j'ai le droit de poser les questions à qui je veux. Mais si bien je veux sûr, vous dire, c'est ma droit de réponse, vous allez le faire avec Françoise, d'accord? Françoise? Pourquoi tu parles de Françoise? Ah, il est amoureux de Françoise? Non, je suis pas amoureux de Françoise. Il y a un truc avec Françoise. Ça casse pas avec. Ah, attends, c'est bien si t'es compensé, pas content, hein. Axel ou Nicolas, c'est le même prix. Bon, on peut revenir au débat, s'il te plaît? Bah alors, Gwenaëlle, tu réponds. Oui, alors, je vais répondre à deux choses. La première, c'est que la personne, donc du sexe féminin, qui dit qu'entre Gérard et moi, il y a quelque chose, bah qu'elle est au moins. Et ses paroles en déclinant son identité, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'on dit que c'est Carole, et non, c'est pas moi, hein, qu'on arrête de m'accuser, bah que la personne qui est en train de dire ces choses, bah, ait au moins l'honneur de décliner son identité, ce qui n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, des prout-prout machin, ou quoi? Non, c'est pas prout-prout machin. Mais déjà, ils ont des points communs. Quand on a Gérard, oh Manu le malin, au lieu d'être au téléphone là, tu me cales un peu les j'étais, autres là. J'étais en train justement Gérard. Tu me les calmes là. Gwenaëlle elle a quelque chose à dire sur la cinquième session, je voudrais bien l'écouter. Et les autres avant la fermer un peu. Ok. Oui, tu te calmes un peu Gérard. Oh si t'es pas content, tu raccroches, d'accord? Gérard, bah, écoute, tu commences là à nous pomper. J'ai envie que tu passes sur un autre ton, c'est tout. Ouais, qui c'est qui parle comme ça là? On est gentil avec toi donc. Qui c'est qui me parle comme ça? C'est toutes les troupes, les trois. Excuse-nous, mais là t'es super désagréable ou quoi? Oui, je suis désagréable parce non, que. Non, mais t'en as que pour Gwenaëlle et Gwenaëlle par moi, Gwenaëlle par là, et Gwenaëlle est mien, et Gwenaëlle est Gwenaëlle. Ouais, je crois que vous allez un peu trop loin, d'accord? Gwenaëlle, elle n'a pas répondu. Elle va répondre maintenant, d'accord? On va lui répondre aussi, non? Bon, laissez-la répondre comme ça, il se calme. Vas-y, ah, mais qu'est-ce que tu n'es pas contente, Valérie ou Saint-Touli, ou Charles, si vous n'êtes pas contente, vous dégagez. Charles-Poli. Ok. Il est en chaleur, Gérard. Ouais, vous allez voir tout à l'heure si je suis en chaleur. Vous allez voir le deuxième débat s'il va avoir lieu. Bah, sur une double sodomie, tu vas comprendre. Ouais, bah, si t'es pas content, toi, tu raccroches ton téléphone. Gwenaëlle, vas-y, réponds. Alors, Gwenaëlle, tu vas, s'il te plaît. Bon, alors, ça y est, je peux y aller? Ouais, vas-y. Oh bon, ouais. Joli. Ouais, Manu, là, tu me les prends, là, où je suis comme l'autre fois, moi. Ça y est, Gérard, repose ta question, Gwenaëlle, elle veut répondre. Tout le monde l'écoute. Non, mais c'est pas la peine qu'il la pose, la question, je la connais, donc. Donc je vais donner ma réponse, enfin si je peux. Donc je suis pour le mariage, mais j'estime qu'avant de se marier, il vaut mieux connaître la personne. Donc, ça n'a rien à voir avec la question, hein. Bon, alors pour l'instant, j'ai un petit message Minitel. Stop. Donc de la part de Christophe, 54 ans, âge 26, hein, donc. Ah ouais, 54 ans, âge 26, c'est bizarre. c'est pas mal, hein, parce que c'est une sortie en ligue. C'est ce qu'il dit, mon vieux. Pas c'est ce qu'il dit. Hein. Non, mais c'est la vie. C'est enfin, pas mal. Écoute le message. Quand même, la vie de coup pour Gérard, c'est sauter à la grosse Christine sous le pont de l'Alma, lui faire un enfant et l'abandonner. Oh, méchant, là. Là, tu vois une chose, tu vois. Mais faut rigoler, rigole. Non, mais tu vois ce que j'ai à répondre. Gérard, non, on pas Stop. Je réponds à la question. Et alors, Christophe. Bon, ouais. Manu, là, tu te réveilles ou quoi, merde? Il y avait plus que les filles à l'antenne, là, Gérard. Putain, mais merde. Ça vient d'où? Hein? Oh, tu prends ça, là? Tu me les reprends au standard. Je les enlève tous. Donc, Christophe, ta question Minitel, je te répondrai pas parce que. Il n'y a rien à répondre et maintenant ça ne pourra pas venir à la personne, ok? On demande entendeur ça, le Christophe, encore une question comme ça sur Minitel, ouais, je ne répondrai pas. Il y a Nanou qui te demande de lui rendre son god qui est apprêté pour la locomotive. Ouais, ben c'est ça, elle va se faire foutre. Et puis le string panther qui a oublié à la maison, hein. Insulté Gérard. Bon, alors on va poser la sixième question. Oui. Pourquoi associe-t-on toujours le mot de couple
avec des avec deux chiffres. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Gérard? Bah si, c'est pourtant évident. Mais c'est évident, vous comprenez pas ou quoi? Moi je veux bien répondre à la question. C'est clair, c'est vrai, c'est vrai. C'est clair, J'en connais tout à l'heure. Ouais, ouais. À force de faire les clowns, ils vont se faire jeter. Ils vont se faire virer, mais leur vie de paix. Pourtant, j'ai pas l'habitude de virer des nanas. Non. Ah non, c'est mais vrai. Mais il y en a qui vont gerber, mais ça va être sec. Tu parles de moi, Gérard? Ah, qui sonne, il y a ton tatou qui sonne. Tu peux répondre, non, c'est Carole. J'ai pas mon tatou ici. D'accord. Nicolas, il peut répondre. Comme par hasard, vas-y, réponds Carole, à la question. Vas-y, Carole. Alors, donc la question 2 plus 2, donc 1 et 1, 2, et oui. 1 et 1, 2. Ça. Et 2 et 2, 4. Donc ça fait 2, Gérard. Ta réponse est. Comment? Elle est vachement claire, sa réponse. Attends, j'ai pas très bien. La meuf du 16e va se calmer, là. Gérard. Mais attends, la meuf du 16e, attends. Déjà. Gérard, t'énerve pas. Attends, donc, attends. Attends, non, t'arrêtes, s'il te plaît. Là, tu me chopes celui qui a dit ma grand-mère. De toute manière, c'est un mec. Alors là, tu me chopes Axel. Et c'est pas moi, hein. Non, mais attends, Axel. Tu crois que c'est pas connu? Mais c'est rien, Gérard. C'est pas moi qui prends. Attends, c'est bon, faut pas prendre les gens pour des canards sauvages non plus, hein. Bah alors si t'es pas content, tu dégages mon pote. Eh ben attends, c'est tout le temps moi qui se fais accuser, j'ai rien. Non, attends, vous parlez pas sur la famille, ok? Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est bon. Gérard, est-ce que tu connais le club 2 plus 2? Non. Qui c'est qui pose cette question? Je connais le 4 plus 4, Carole, Léon. Ouais, moi je connais le 4 plus 4. Ouais, contraire de toi. Ah, celui qui s'amuse avec le tatou, vous dégagez. Joyeux anniversaire. Gérard, reprends ton débat. Oh, tu les calmes au sonore. Ça y est, Gérard, mais écoute, calme, ça y est. Écoute, il y a des gens qui balancent des trucs. C'est pas bien. Gérard, oh, tu dégages. Bon, oh, Philippe, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Philippe! Gérard! Oh, moi j'arrête, hein, ok? Bah non, bah je continue pas. Oh, mais je suis pas. J'ai dit à 50 mètres de moi. Et ça se passe bien, allez, j'ai. Fais gaffe parce que tout à l'heure, tu vas t'en prendre une dans ta gueule, toi. Que dégage maintenant, ok? Ok, c'est bon, Gérard, il te dérange plus là où il est. Allez, hey, tu reprends ton débat. Bon. Reprends ton débat. À Gwenaël de répondre. Vas-y, Gwenaël. Ouais, ils nous ont pas changé. Vas-y, Gwenaël. Si, si, c'est à Gwenaël. Non, non, c'est pas à Gwenaël maintenant. C'est elle qui commande. C'est moi, non. Nicolas, il peut répondre. Vas-y, Nicolas. Moi, je pense que, bon, un mariage, c'est deux personnes. C'est deux bagues, c'est deux mains, c'est deux dans le lit. Enfin, voilà, c'est tout. C'est deux. C'est le chiffre 2 qui s'allie au mariage, voilà. Waouh. C'est beau, non? Non, c'est magnifique, là. Non, mais je vais remplacer Gérard la semaine prochaine. Gérard, tu devrais l'applaudir, parce que c'est vachement philosophique. Et puis, je veux dire... Valérie. Une petite Ronaldise aussi, hein. Valérie. Oui, Valérie. Pour toi. Pour toi. Oh, c'est quoi, là, ce cirque? Mario. Valérie. Oui, j'écoute. Bandard. Bah, réponds. Eh ben, pour moi, c'est pas obligé qu'il y ait plusieurs chiffres, hein. Il peut y en avoir qu'un, et c'est le chiffre 2. Exactement. Et puis, voilà. Donc, plusieurs chiffres, ça sert à rien. Un groupe c'est 2 et 2 c'est qu'un seul chiffre. D'accord. Voilà, le débat est clos. Carole. Il a pas tout compris. Mais j'ai répondu, mon ami. T'as répondu? Pas de surlou. Pas de surlou. Pas de surlou, vas-y, réponds. Pas de surlou. Alors, pas de surlou, tu vois. Ouais, tu vois. Quoi? Pas de chouli. Oui, pas de chouli. Pas de surlou, tu réponds. Mon petit pas de chouli. Y'a pas de surlou qui veut répondre. Oui. Alors. Vas-y, réponds. Bah écoute, moi je sais pas. Non, mais même pas de la question un peu chère. Hein? Non, mais c'est vrai, tu peux répéter ta question? Non, mais attends, il faut pas prendre des champignons. Non, mais écoute, elle est vachement compliquée ta question. Trop intellectuelle ta question. On aura les mêmes couilles que toi. Bon, Attends, Gérard, répète ta question, je vais y répondre. Ouais, oh. Il a dit pourquoi le couple est toujours avec des Gérard. Bon Gérard, tu reprends un peu le débat, tu te calmes et vas-y Gwenaël. Surtout t'enlèves tes doigts de ton anus. Oui, arrête. Bon, attention, Axel, tu as dégagé ou Nicolas, tu veux vous dégager? Donc Gérard, Axel, tu dégages. Gérard, tu dégages.
Bon, tu dégages maintenant. Non, bon, ça commence à bien faire, oui, là-haut. Ça commence à bien faire. C'est quoi, le standard, nom de Dieu? Il faut arrêter. C'est bon, Gérard, écoute. Donc, Gérard, c'est Gwenaël. C'est quoi, ça? C'est qui? Il n'y a plus les mecs, là, bon, Gérard. Allez, hop. Non, moi, on met une pause, moi, quand ça... Moi, je continue pour faire ça. Je crois qu'ils sont calmés, là. Je crois qu'ils sont calmés. Gérard, c'est Gwenaël. C'est bon, vas-y, reprends. Gérard. Allô, là, c'est Max, à l'appareil. Oui, Max. Oui, calmez-vous quand même, parce que là, Gérard, arrêtez de mettre de la musique derrière tout le temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que là, le pauvre, hey, c'est très bien le démange, j'apprends plein de trucs ce soir. Eh, hey, tu dis à l'autre là qui se casse hein, avec sa caméra, parce que ça commence bon, à bien si faire. En tout cas, Emmanuel Gamin, tu travailles au standard. Ouais, parce que là, ça va pas. Max, il y a 15 questions, hein. Donc, Gérard, Max, 15 questions, Gérard. Va bouge derrière. Gérard, allez. C'est Gwenaël. On continue parce qu'il est 2h05. Oui. Donc, Max, je vais répondre à la question. Donc, le chiffre 2, parce que donc c'est un chiffre pair. Et pour commencer, toute histoire d'amour, il faut être 2, déjà. Mm-hmm. Non, à mon avis, toi, tu dois être toute seule, hein. Bon, allez, c'est bon. Bon, Gérard, on reprend le débat. Non, pas du tout. Bon, calmez-vous, on reprend le débat. Non, Gérard et Christine, ça fait 2,5, là. Bon, alors toi, tu dégages. Au moins. Ça fait 30. Celui-là, il vire, je veux plus l'entendre. Allez, allez, Gérard. C'est même pas la peine qu'elle revienne sous un autre nom. D'accord, Gérard. Mais elle, t'as répondu ça, elle, c'est pas tout seul qu'elle doit, c'est qu'elle doit rien pas supporter. Waouh, oh là là. Qui c'est qui vient de répondre ça? Super, Christine. Qui c'est qui vient de répondre ça? C'est moi qui ai répondu ça. Gwenaël. Ouais, mais qu'est-ce que t'as répondu? J'ai répondu à la nana qui a cru me casser en me disant que je devais être toute seule, que elle, avec la voix qu'elle a et avec les réponses qu'elle fait, c'est pas toute seule qu'elle doit être parce qu'elle n'arrive pas à supporter déjà elle-même. Waouh, bravo Gwenaël. Bravo. C'est extraordinaire. Bravo. Je crois qu'on t'apprécie tous, hein. Ouais, c'est vrai. De toute manière, si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Il y a quelques. Pour un centime. Il y a quelques d'apprécis, genre. On est bien, c'est quoi là? Il y a quelques pour un centime qui donnent à peu près des réponses. Des réponses? Bah oui, parce que là, qui répond correctement aux questions que je pose. Mais oui, mais c'est maintenant, la septième question. La septième question. Calmement, Gérard, pose. Ils vont répondre calmement à ta question, c'est promis. Vas-y. De toute manière, si j'en entends. De toute manière, tu poses ta question. De toute manière, calmement. Quel point commun entre les couples? Le point commun entre les couples, voilà. Donc la question est posée. Je crois que... Qui veut répondre? Valérie. Le point commun entre les couples, c'est que normalement ils sont tous deux, hétéro, homo ou bi. Mm-hmm. Non mais je vois pas, attends, je vois pas. Un couple, c'est pas forcément deux. Un couple, ouais, mais le point commun, je vois pas hétéro ou bi. Non mais je te dis, les couples, n'importe quel couple, que ce soit un couple d'homo, d'hétéro ou de bi. Un couple, on est forcément deux. Oui. C'est ça le point commun entre tous les couples. Mm-hmm. Maintenant, tu peux avoir un couple de perruches si tu veux, mais bon, un couple, voilà. Le point commun entre les couples, c'est qu'ils sont deux et qu'ils s'aiment passionnément et profondément. Surtout profondément, pour certains. Ok. David, tu peux répondre. Non, mais attends, pour l'instant, on va demander à Carole. Oui, alors moi, je pense effectivement que deux couples, les points en commun, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être la lecture, le sport, les loisirs, les voyages, tout ce que tu veux, Gérard. Non mais attends, est-ce que t'as bien compris la question? Oui, j'ai bien compris, au contraire de toi. Rien compris, Carole. Attends. Elle a rien compris, Carole. Je peux répondre? Non, attendez. Ah, tu demandes le point commun, moi je te dis, attends, dans un couple... Quel point commun entre les couples? Moi je pense que la différence, c'est... Moi, je pense que c'est justement là le point commun. C'est le sexe. La différence d'âge. Celui qui vient de dire ça, tu as viré parce que je te reconnais, d'accord? C'est Nicolas. Ok, elle a rien compris du tout, Carole. Carole, patchouli. Moi, je comprends jamais rien, moi. Carole, ouais, c'est bon, patchouli. Ouais, donc moi, je dois dire bon, que... Bon, Carole, t'inquiète pas, tu répondras, tu me rediras ça tout à l'heure. Merci, mon amour. Bon, derrière, vous vous calmez, s'il vous plaît. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Ça y est, on est calme. Vas-y, donc, il y a Patchouli qui voulait répondre, Gérard. Donc, Patchouli, tu voulais répondre quelle est sur la question 7. Ouais. Donc, je t'écoute. Non, mais je voulais dire qu'avoir des points communs, c'est super important dans un couple. Mm-hmm. Que avoir des différences, c'est important aussi, parce que sinon, on s'emmerde. Au niveau de l'âge? Au niveau de l'âge, par exemple, ouais. Non, mais l'âge là-dedans n'a rien à voir. Non, mais l'âge n'a rien à voir. Non, mais attends, hein. Patchouli. Oui. Patchouli. Patchouli. Bon, attendez, moi je vais quand même vous dire une chose, que l'âge n'a rien à voir là-dedans. D'accord. C'est pas l'âge qui fait la différence. Exactement. Parce que, par exemple, moi je prends, admettons que je sorte avec quelqu'un de 19 ans, moi j'en ai 36, d'accord? Vous le savez. Donc, de sortir avec une personne moins âgée que vous, ça ne veut rien dire.
Non, mais attendez, tant qu'on s'entend bien avec la personne, si la personne veut prendre les mêmes principes que le copain avec qui elle sort, par exemple, s'il est passionné de Formule 1 ou d'autres, parce que moi, je suis passionné de Formule 1. Moi aussi. Hein? Donc, si la personne veut continuer à vivre sa vie avec, c'est son problème. Ouais. On est bien d'accord, oui, pas de soulier. La question, quel est le point commun des couples? Je vois pas pourquoi que tu mets l'âge. Bon d'accord, c'est pas grave, on enlève l'âge, alors moi je suis... Mais il faut faire attention parce qu'une femme peut être avec toi, Gérard, pour l'argent. Mais de toute manière, Mais qu'est-ce que vous venez balancer l'argent là-dedans? Mais arrêtez quand vous dites ça. L'âge et l'argent n'ont rien à voir, mais merde, arrêtez vos conneries. Quand vous dites ça, vous me faites rire. Mais arrêtez, ça n'a rien à voir. Le mec, s'il a 2 ans, il a 2 ans. S'il a pas d'argent, il a pas d'argent. Si on s'aime, on s'aime. Et c'est tout. Ok, t'as tout à fait raison, Gérard. Gérard, je vais dire une chose. Gérard. Bon, tu me les prends là au standard. Gérard. Tu me laisses. Mais c'était joli, c'était joli. C'était beau ce qu'il a dit, Gérard. C'était beau, pas de joli. Et sur Minitel, il y a quelque chose de beau aussi. Il y a Franck qui dit département 75, âge 22. T'as vu, cette fois-ci, je me suis pas trompé. Hein. GG, est-ce que tu peux te prendre en photo, ton anus écarté en fleurs et un billet de 100 balles dans la main droite? C'est joli. J'ai dit une chose que je m'amuserai pas à faire des photos pour lui, d'accord? Donc, pas de souli, tu finis de répondre à la question, s'il te plaît? Mais ce que je disais, c'est que avoir des points communs, c'est bien, mais il faut avoir des différences. Sinon, on s'emmerde en couple. Bah oui. Non? Oui. Bah, d'accord. Attends. Et Gwenaëlle, elle a pas parlé. C'est vrai? Gwenaëlle, I miss you. Gérard, c'était super bon. Tu te réveilles là avec les deux sons? C'est quoi cette histoire là? Quel deux sons? Moi j'ai pas de sons, moi j'ai une seule voix. T'as pas de sons, t'as inventé Miro. Gwenaëlle. Ouais, bah je suis Miro. Vous avez deux sons vous? Non, on reprend ton débat là. Bon, Gwenaëlle, réponds. Bah reprends ton débat, Gérard. Gwenaëlle. Ouais, on reprend le débat. Gérard. Gwenaëlle, elle va répondre à la 7ème. Gwenaëlle. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, Gérard. Gérard, ta gueule, hein. Eh, tu te réveilles un peu, toi, l'arrière. Gwenaëlle. Elle est partie? Non, elle est pas partie, elle est là, mais elle attend que Gérard lui demande de parler. Elle est sale, Gwenaëlle. Oh, c'est quoi, là? Oh, Olive. Oh, à double voix. Et Gwenaëlle, tu joues du pipeau de la clarinette. Bon, Pandar, ta gueule, hein. Puis Aurélien, ça le trappe un peu. Ça marche, là, ou pas? Ça marche. Bon, bah voilà. Alors, vas-y, Gwenaëlle. Oui. Donc, je suis entièrement d'accord avec Gérard. Je sais plus, c'est une fille qui a parlé tout à l'heure, je crois que ça va être Carole. Non, c'est Patchouli. Non. Patchouli ou Carole ou Valérie? Non, alors c'est Valérie. Oui. Sur le fait qu'un couple, quel que soit le sort du couple, de toute manière, il faut qu'il soit deux. Il faut qu'il s'aime de toute manière. Et puis donc c'est important les points communs dans le couple pour pas tomber donc dans la monotonie du couple. Tout à fait. Alors Gérard, votre avis sur la question? Donc, je sais pas, parce qu'il y a quand t'as même pas écouté, deux parce mecs. Que tu n'as pas écouté. Si, j'ai écouté très bien ce qu'elle me disait. Qu'est-ce qu'elle a dit? En tout cas Gérard, ce que t'as dit c'était très beau. Voilà. Moi je suis d'accord. Allez hop, tu vas mettre, tu peux mettre. On va mettre un disque, hein, peut-être pour les calmer un peu. Ouais. C'est quoi la prochaine question? Gérard, est-ce que tu arrives à toucher ton anus avec tes dents? Bon, toi tu dégages. Non, ça c'est pas bien. Ah, pour Manu, il est parti, Gérard. Ça c'est Nicolas. Il va se calmer avec sa radio, hein. Dis-le, Gérard. On se calme. Merci. Vas-y Gérard, tu peux répondre à la question là sur... Ça te dérange pas? Non mais je répondrai tout à l'heure après le disque. Tu réponds jamais Gérard. Et tu nous promets que tu réponds? Oui. De toute manière... Traché juré? Non, promets-le nous parce qu'après tu vas oublier. Traché juré? De toute manière, il y a 3 personnes. Et il me reste 4 nanas normalement. Ouais. Allez, et là tu poses une question, on envoie à disque et on reprend tout le monde après. Et donc... D'accord, il est perdu. Non, je suis en train de chercher. Comme tous ces neurones survivants. Bon, toi déjà, tu as dégagé, c'est bon. Toi aussi, merci. Ah, Nicolas, tu dégages. Bon, vas-y, pose tes questions, Gérard. Dans quel endroit se forment les coupes? Quoi?
Quoi ? C'est quoi, c'est quoi la social qu'au standard là ? Gérard, repose ta question et annonce le disque. Prends un pull si tu veux. C'est dans quel endroit se forment les couplets ? Allô, va... Non. On répond après ensemble, le vous allez réfléchir. C'est quoi le disque ? Et tu peux mettre du beurre avec ça glissera mieux. Tu peux mettre du beurre, ça glissera mieux. Très bien. Tout de suite. Ah, tout de suite. Écoutez, tu peux mettre du beurre, voilà. Donc, on va continuer la suite du débat. Donc, il est 2h07 du matin. On va se réveiller un petit peu si tout le monde est là. On va accueillir. Je suis dans le sud alors. Oh, on se calme, s'il vous plaît. Dis-moi, Valérie, tu vas à la loco souvent ? T'es à l'antenne, Gérard. Non, moi j'habite dans le sud. Je suis à côté Marseille. Oh, vous êtes à l'antenne. Okay. Oh, mais chérie, là. Est-ce que je passe à l'antenne ? On est à l'antenne. Allô, il n'y a personne. Allô ? Attendez, Gérard, attendez, vous m'entendez, les auditeurs ? Oui, on m'entend. C'est Max, et vous entendez Gérard ? Gérard, t'es là ? Allô ? Gérard ? On n'entend pas, Gérard. Carole, t'es là ? Ouais, moi, je suis là. Gérard, on n'entend plus, Gérard. Moi non plus, j'entends pas. On entend ? Allô ? Change de micro, Gérard, change de micro, change de micro. Allô ? Allô ? Oui, t'entends. Ah oui, on t'entend. On entend. Alors, remets ton micro, remets ton micro, Gérard. Remets ton micro, Gérard. Essaye. Vous m'entendez ? C'est Max, c'est l'appareil. Allô ? Bah, Gérard est parti, apparemment. Allô ? Mais c'est quoi ce bordel ? Gérard, il est retourné au standard. Ah, ça y est, on entend Gérard. Gérard, il est allé voir son écran géant. Allô ? Allô, Gérard, mais merde, tu fais quoi là ? Mais je fais rien ! Mais on n'entend rien, allô ! C'est qui voulait me faire ? Oh, Max, tu viens là ou quoi là ? C'est le bordel là maintenant là-dedans ! Vous m'entendez les auditeurs ? Oui. Bah oui ! Et Gérard, vas-y, parle, on t'entend pas ! Mais personne m'entend ! Mais qui va, on t'entend là ? Ouais, moi j'arrête ! Mais c'est bon, on t'entend ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, on t'entend, Gérard, vas-y. Dans quel endroit se forment les couples ? Vas-y, pose ta question, Gérard. Dans quel endroit se forment les couples ? Il parle, j'entends rien, moi. Mais j'entends rien, c'est quoi ce bordel, là ? Je sais pas. Attends, t'as connerie ou quoi, là ? J'ai rien fait. Olivier, attends, Olivier, appuie sur le bouton là. Voilà, ça marche, c'est bon, vous l'entendez là ? Ouais, voilà, c'est bon, Olivier. Merde ! Ah merde, je suis désolé. C'est pas grave. C'est toi qui fais des conneries encore. Je suis désolé, je connais pas bien. C'est toi qui voulais m'héberger chez toi ? Oui, Olivier, tu te calmes. Ah, c'est toi. Bon, pour l'instant, la question est pas là. Alors, vas-y. Bon, on y est téléphoné, là, c'est. Ah, tu te gâtes celui qui fait du tambour ! Il y en a pas qui font du tambour, j'ai. Je vais casser. Dans quel endroit se forme le couple ? Valérie ! Alors je réponds. Attends, Gérard, non, répondez chacun votre tour. Vas-y, réponds. Valérie. Je veux de la ventilation. Gérard, il y a Valérie qui te répond. Je veux de la ventilation. Il veut de la ventilation, tu lui fais de la ventilation avec ta main. Voilà. Bon, alors je peux répondre ou pas ? Bon. Arrête ! Gérard, c'est moi qui commande. Ouais, mais attends, il fait trop chaud là-dedans, tu mets de la ventilation. D'accord, allez, je souffle. Non, allez.
Dégage toi, putain. Bon, il y a Valérie qui veut répondre. Oh, dis-lui qu'il dégage, mets-moi un peu de ventile. Il y a Valérie, Eh, tu lui dis qu'il dégage maintenant. Il te fait de la ventile. Non, mais moi je dors. Il y a pas un bradeur ici. Oh. Et ça nous regarde pas, tes histoires de ventile. Bon, Valérie. Vas-y, Valérie. Alors j'y vais. Les couples se forment au restaurant, à la bibliothèque pour les intellectuels, en discothèque, par exemple la loco sur distribution de tracts. Mmh. D'accord, merci pour la pub. Un peu partout dans la rue, dans un café, dans le métro, sur le trottoir, partout quoi. Mmh. Et puis dans des endroits où il y a du monde de préférence. Parce d'accord, que, ok. Il y a plus dans un zoo pour certains. Mais elle d'accord. A tout, ouais, le Carole. Zoo quoi. Dans les clubs d'échangistes, pas mal. Dans les boîtes homo, dans les boîtes de lesbiennes, dans toutes sortes de boîtes qui existent à Paris, Paris by Night. Carole, d'accord. Patchouli. Patchouli. Oui, oh, Patchoulou, oui, mon petit Patchoulou. Oh, tu travailles, s'il te plaît. Mais je suis réveillée. Alors, tu réponds à la question ? Oh, bah écoute, je sais pas moi, on peut rencontrer n'importe qui, n'importe où, il n'y a pas d'endroit, hein. Ouais, d'accord. Quoi, bah d'accord, c'est elle a raison, hein. Voyons, Quoi, bah dis donc. Elle a raison, Gérard. Attends, moi j'ai rencontré. Attends, tu peux rencontrer ton mari, mais. Enfin, ton copain ou n'importe qui, Mario. Mais n'importe où. Non, mais Patchouli. Oui, t'as plus de chances de rencontrer un mec en boîte ou dans la rue ou là où il y a du monde plutôt qu'au pôle Nord. Donc c'est pas n'importe où, je suis au pôle Nord, tu rencontrais quoi? Des huskies et des grizzlies, voilà. Bah, et attends, mais c'est déjà ça, attends, tu rencontres quelqu'un. Non mais Gérard, le plus simple... Bon, Gwenaëlle. Bah oui, donc je suis d'accord qu'avec Valérie, on peut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, soit en discothèque, soit dans un restaurant, soit à un mariage, soit... Surtout un mariage. Mmh. Pourquoi pas dans un centre course, tant que tu y es? Bah ouais, pourquoi pas. Alors, des messieurs, moi j'en suis tous les matins. Dans une grande surface. Il faut que tu lui tiennes la main dans le champ de course, hein. Ah oui, quand même. Eh oui, sinon ça va pas. Je vois pas le rapport avec la question. Hein. Bah c'était un poème à toi, si tu t'en souviens pas. Gérard, ouais. Est-ce que t'es déjà tombé amoureux de tes professeurs? Amoureuse, s'il te plaît. Oui, amoureux de tes professeurs. Ah, pourquoi? Non mais attends, mais de toute manière, je peux pas te dire parce que j'ai pas essayé. Non mais là, Gérard a fait ses études. Oh, Manu là. Puis Gérard, quoi? Tu me prends les mecs là, il y a trop de bordel là. Mais non, il y a pas de bordel, ils disent rien les mecs. Non, ils disent rien. On a rien dit, Gérard. Et les mecs qui parlent ça, ils ont la bouche pleine. Gérard, on a rien dit. On n'a rien dit, Gérard. Non, mais Gérard, attends, on n'a rien dit. Non, mais Panier, ça te regarde pas. Gérard ? Oui, c'est qui ? Bah alors, tu peux répondre ou pas ? C'est qui pose Patchouli. C'est Patchouli. Non, mais pour l'instant, j'ai pas entendu Gwenaëlle répondre à la question parce qu'il y en a qui s'amusent à faire des conneries. Mais attends, après, tu pourras pas répondre à ma question. Vas-y, Gwenaëlle. Réponds. Bah non, bah c'est à toi de répondre. Non, bah réponds déjà à mes questions, après, je répondrai à la tienne. Non, mais Gérard a fait ses études supérieures jusqu'en CM2. Gwenaëlle, s'il te plaît, tu réponds. Oui, ben Gwenaëlle, elle a répondu ouais. Que j'étais d'accord avec Valérie sur le fait qu'on peut rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, soit en discothèque, soit dans un restaurant, à un mariage, tout événement dans la vie, on peut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Ta gueule. Gérard, oh, c'est pas gentil, hein. Non, c'est méchant. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas moi qui ai dit ce mot-là, alors. Je veux dire une chose que Manu, au standard, tu as te réveillé. Allez, bonne excuse. Parce que là, ça commence à bien faire. Moi, j'ai soif. Je suis sûr que c'est François. Tu vas te réveiller, Gérard, Manu, s'il te plaît. Pose ta question, il mène mieux ton débat, peut-être que ça ira mieux. Non, mais le mec exactement. Qui s'amuse, il dit ta gueule. Ils sont tous calmes, là. Non. C'est François de Belgique, hein. Non mais attends, dans ce cas-là, celui qui s'amuse à dire ça, il va dégager vite fait maintenant. Ça va être clair et net. Ça va être clair et net. Maintenant, je vais répondre à la question. Donc, répondre dans quel endroit Gérard. Oui. Où est-ce que t'as rencontré ton ex-femme? Laquelle? L'ex-femme. Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ouais, non, s'il vous plaît. Bonne, celle-là. Je la ressortirai, hein. Ah, il faut. Olivier, si c'est toi qui t'amuses à mettre ça, c'est pas la peine. C'est pas moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est à mon avis, c'est le CD pirate qu'on entend. Tu sais que Caramel. Ouais, non, mais même. Dans ce cas-là, moi, le deuxième débat, ça va aller vite. C'est moi qui va prendre les gens. Et reprends un peu ton débat en main. Ouais, Caramel, c'est pas la sauce, bordel. Non, il y a quelqu'un qui est en train de faire caca, c'est pas cool. Alors, arrêtez de tirer les. Donc, je répondrai pas à cette question, ça vous apprendra. On s'en fout. Et moi, je prends ta gueule, Gérard. Ouais, bah, tu peux de la gueule, oui. Gérard, Mathieu, je peux te répondre. Que pensez-vous de la différence d'âge dans les couples? Ouais, les uns après les autres. Ouais. Valérie.
Valérie. Non, Valérie, pour l'instant, Gwenaëlle, s'il te plaît, tu te calmes. Alors. Non, les mecs, si vous êtes pas. Attends, Valérie, Jean-Luc. Bon, là, c'est quelqu'un de la radio qui s'est mis à faire Jean-Luc. Mais non. Bon, alors maintenant, Nicolas, comme t'as une grande gueule, tu vas l'ouvrir, tu vas répondre tout de suite. Jean-Luc. C'est Nicolas. Mais Nicolas, il est parti, c'est Mathieu qui le remplace. Tu te réveilles au standard ou quoi? Tu vas voir, c'est bon, regarde. Hop là, ça y est, y'a plus de mec. Bon, j'enlève mes lunettes. Bah alors, Nicolas. Valérie. Nicolas, tu réponds, s'il te plaît. Tu m'as dit de les enlever, Gérard. Bon, bah alors, c'est bon. Alors, Valérie, c'est bon, laisse-les où qu'ils sont. Bah alors, moi, la différence d'âge, ça n'a pas d'importance, parce que moi, mon copain, il a 11 ans de plus que moi. Et bon, tout se passe très bien. Et je dirais même que ce n'est que mieux, parce que les mecs de mon âge, c'est pas qu'ils ont rien dans la tête, mais presque, quoi. Donc on s'adapte difficilement et on va chercher plus loin. D'accord. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Bon, oh. C'est vrai qu'à la loco, il y a que des vieux, c'est pas mal aussi. Elle parle de la loco. Tu viens, toi, quand je parle au standard, d'accord? Oui, Gérard, je t'écoute. Tu calmes un peu, là. Cette heure, ça va aller vite, il n'y a pas de... C'est quoi, là? C'est pour moi, c'est ma sœur qui balbore entre les cuisses d'un catcheur. J'ai un casque, t'écoutes un petit peu aussi, quoi. J'écoute, mais il n'y a que les filles, là, à l'antenne. Ouais, ouais. Alors, Gerlet. Jean-Luc. Jean-Luc. C'est quoi, là? Eh ben, c'est peut-être les filles qui mettent ce bruit. Non, mais c'est pas une fille, ça, c'est un mec qui imite Gérard. Non, c'est un mec. D'accord. C'est un mec. Je vais faire un tour dans les studios. On va rigoler. Vas-y, va faire un tour. Non, là, il continue son débat. Vas-y, Gérard, reprends ton débat un peu. Oui, alors, là, je n'ai rien à voir. Tu lui laisses le casque. Merci, Gérard. Tu écoutes ce que Carole te... Gérard, je ne peux pas le brancher au standard. Tu t'assois et tu écoutes ce que Carole te dit. Vas-y, Carole. Carole, je t'écoute, vas-y. Non, tu te prends. Non, je ne sais pas pourquoi faire, Gérard. Carole, je t'écoute. Bon, alors, là, je n'ai rien à voir parce que moi, il y a 6 ans, j'ai vécu avec un homme de 80 ans. Et je veux dire, c'est pas parce qu'il avait 80 ans qu'il avait rien dans la culotte et dans la tête. Et dans donc je pourrais vivre avec toi, Gérard. Et dans le portefeuille. Okay. Ça me fait une belle jambe. Dans le portefeuille aussi, Gwenaëlle. Non, Valérie. Il en avait dans le portefeuille. Ouais, beaucoup d'argent. C'est pour ça que Patchouli. Non, je l'aimais. Patchouli. Oui. Patchouli. Oui, je suis là. Tu réponds, s'il te plaît. Oui. Pour moi, la différence d'âge, bah écoute, à un certain âge, il n'y a pas de problème. Mais quand à partir de, je sais pas, par exemple, t'as 40 ans et l'autre t'as 60 balais, ben à 40 ans, t'as peut-être envie de faire autre chose qu'à 60 balais. Donc, à bout d'un moment, et ben, à mon avis, ça entre en jeu et ça marche pas toujours. Voilà. Gwenaëlle. Gwenaëlle. Oui, Gwenaëlle. Oui. Gwendel. Gwendoline. Oh, tête de pioche. Ah. Oh, tu réponds, tête de pioche. Non, j'ai pas envie. Tu veux pas répondre? Non. Bon, c'est d'accord. Oh, Gérard, dis donc. Et toi, Gérard? Moi, de manière, si Gwenaëlle veut pas répondre... Non, Gérard, réponds-toi. L'âge, de manière, je l'ai dit tout à l'heure, l'âge n'a pas d'importance. J'avais envie de savoir. Christine, elle avait quel âge? Je vais me calmer, alors je vous calme. Pourquoi, Gérard? Attends, il y en a déjà un tout à l'heure. Mais c'est il pas grave. Il va se prendre un casque dans la tête. Mais oh, c'est fini le bordel ou quoi? Bon, Gwenaëlle, s'il te plaît, tu réponds à la question. Gwenaëlle. Réponds, toi, Gwenaëlle. Mais veux pas répondre, laissez-la tranquille. Vas-y, donne-toi, réponds d'abord. Non, mais attends, moi je pose les questions, Gwenaëlle, je voudrais bien qu'elle réponde. Alors j'ai dit que tout à l'heure tu m'as dit de me calmer, alors que j'avais envie de répondre à la question. Maintenant, j'ai pas envie d'y répondre parce que je suis pas calme. Voilà. Alors moi je te demande de répondre à cette question-là, s'il te plaît. C'est bien impossible de travailler comme ça sur un débat. Hein. Non mais ça c'est rien, t'inquiète pas. Allô? Oui, Gwenaëlle, s'il te plaît. Pas, Gérard. Allô, Carole? Oui. Gwenaëlle. Bon, j'entends rien, Gérard. Comment? Est-ce que tu entends, Gérard? Moi, j'entends plus rien. Moi, j'entends plus rien non plus. Qu'est-ce allô? T'appuies sur où, toi? Gérard, allô? Moi, j'entends Gérard, moi. Allô? Mais personne m'entend. Mais moi, on m'entend. Nicolas, il t'entend, Nicolas. Axel, moi, je t'entends. Voilà, Axel t'entend aussi. Gwenaëlle, est-ce que tu m'entends? Non, j'entends rien. Non, allez, non. Oh non, moi j'arrête, allez hop. Il y a Carole, putain, mais ça a coupé. Ça a coupé, c'est pas possible. Non, Max, allô, Gérard, moi c'est le bordel, moi j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Qu'est-ce qui se passe? Max, allô.
incroyable. Allô, j'arrête. Oh, allez, moi j'arrête. Mais on est là, nous. J'arrête tout. J'arrête. Allô, non, mais Gérard. Façon, je suis un transsexuel, j'arrête tout. Mais y'a les mecs, t'entendent? Mais merde, personne m'entend. Mais si, mais si, mais si, Axel et Nicolas, ils t'entendent. Axel et Nicolas, t'entends, Manu? Allô, sur le standard, y'a un bouton, t'as touché un bouton, Manu? Les filles, Manu, le bouton. C'est pas moi, c'est ma sœur qui va le voir. C'est le bordel. Les filles, c'est Gwen, vous entendez Gérard? Fais-toi respecter, Gérard. J'entends rien. C'est un décalage. J'entends rien. Oh mec, je suis bien. Là, je vous préviens d'une chose. Ça se termine au tribunal. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Qui c'est qui s'amuse à envoyer des trucs? Ah non, 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 non! Ok, point final à la ligne. Conclusion. Putain, moi c'est moi qui vais apprendre le standard pour les autres. Bonne fête, Jojo! 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 La 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 la. T'approches pas de son anus comme ça, quoi. Tu vires. Bon, et tu appelles Karine, alors. Oui, bonsoir, monsieur. Je m'excuse de vous déranger. Oh, tu les calmes ou quoi, au standard, toi? Y'a plus personne, Gérard. Bon, Karine, s'il te plaît, tu viens faire la deuxième ligne du standard, s'il te plaît, merci. Pour le deuxième débat. Donc, on va faire la conclusion du premier débat. Toujours au même problème. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait au standard, lui? Merde. Arrête, Gérard. La conclusion, un par un, ils sont calmes, alors vas-y Gérard maintenant. Alors Nicolas. Ouais, moi je pense que l'amour c'est beau, voilà. D'accord. Valérie. Dans les chiottes de la loco. D'accord, alors c'est bien. Wow, tu viens. J'ai pas regardé ce matin. Gérard. Bon, Nicolas, tu. Chut, dehors. Attends, je veux juste te dire un truc. Tu sais que bon, moi je chiotte de la loco souvent, non mais bon, hein. Et j'ai un pote qui s'appelle Pandore, il paraît que tu dois croquer une boule. Alors bon, si t'as faim, tu vas t'acheter des pépitos chez Udi. Tu dégages. On avance maintenant avec ta caméra là. Bon, tu dégages. Qu'est-ce que tu fous, Manu? Putain, mais c'est quoi? Ok, point final à la ligne. Bon, allez hop. Allez, la conclusion. Pourquoi? Gérard, t'as bien. Qu'est-ce qui se passe? Gérard, t'as bien. Oui. On n'entend plus Gérard. Oh, c'est quoi là? Gérard, ta conclusion. Gérard. Allô. Allô. Mais j'ai pas de con, j'ai personne là. Allô, Gérard. Mais si, vas-y, oh, allez-y, non. Votre Gérard. Conclusion les uns après les autres. Bah alors, c'était à qui maintenant? Alors moi, je pense que ce débat a été Valérie. Très enrichissant. Hein? Valérie. Oui, oui. Vas-y, Valérie, conclusion. À toi. Bah alors moi, je vais dire que le couple, c'est forcément deux, parce que couple, ça vient de copuler, et puis on peut copuler qu'à deux. D'accord. Et toi et moi, c'est quand tu veux. D'accord. Carole. Ça, c'est joli, hein. C'est gentil. Moi, je vais dire que...
Bon bah tu travailles, Carole, s'il te plaît. Ouais, c'est bien, puis voilà, pour la ligne, quoi. Bon, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Ouais. Pas de folie. Bah moi, je voulais dire que en fin de compte, ton débat, bah, ce soir, c'était vachement bien. Mm-hmm. Tu retournes chez toi et c'est bon. Ah bah, c'est sympa. Bah, celui qui s'amuse... Ah bah, Gérard, merci, Gérard. On fait un mesure tous les bières, là. Les enlever, les bières. Pas de folie. Oui. Pas de souli, je t'écoute. Oui, bah je disais que ce soir, t'avais fait un super débat. Ok. Et t'avais bien répondu et que c'était vachement sympa. Mmh. Pour une fois. Gwenaëlle. Oui, alors, la conclusion, c'est... Le couple, c'est un aboutissement de la vie, de toute manière. Et puis, Oh ! Oui ? Oh, mais merde, qu'est-ce que tu fais, Manu, en ce moment-là ? Elle a un téléphone pourri, Gérard. Non, elle a pas un téléphone pourri. Bah elle a un téléphone pourri, quoi. Oh ça non, vient bah pas là, du standard, c'est bon. Hein. Le standard il est tout neuf, Gérard, ils l'ont changé il y a deux jours. Non, ça non, peut non, pas non, venir non, de non. Là. Ça... Non, elle l'a pas coupé. Non, mais il l'a enlevé, il l'a raconté. Non. Ah bah tu la rappelles, je veux pas le savoir. Non, la Manu, on va jamais réussir à faire la conclusion si tu continues à merder comme ça. Merde. Parle-lui, Gérard. Gwenaël. Oui. Alors, conclusion. Donc, ma conclusion. Oh bon, toi, dégage de là. Gérard. Quoi, si je te prends la tête, c'est le même prix. Allez, vas-y. Gérard, donc ma conclusion, je disais que donc, le couple, c'est important, que c'est un aboutissement. C'est pas moi, c'est son téléphone, Gérard. Bon, ok. Bon, allez, c'est bon. On a pas entendu la conclusion. Non, mais j'ai pas entendu la fin de sa conclusion. Apparemment, il est en train de jouer avec. T'es en train de jouer à une touche. Regarde ses mains. Regarde et parle-lui. Vas-y Gérard, parle-lui. Y'a plus qu'elle à l'antenne. Y'a plus qu'elle. Ouais, Gérard, t'entends. Alors retourne au micro et parle-lui. Je t'écoute. Ouais. Mais je disais que donc ma conclusion, c'était que le couple, c'est l'aboutissement dans la vie. Mmh. Et donc, bah, c'est fait pour avoir des enfants, c'est aimer et partager les joies de l'être aimé, enfin la totale, quoi. D'accord, ok. Axel. Dire que le débat de ce Axel soir... Oui. Allô. Je ne fais rien, Gérard. Allô. Allô, Gérard. Allô. Allô, Gérard. Qu'est-ce oui, c'est Axel. Gérard. C'est quoi ce prochain... Bon, allez. Ouais, oui, Gérard, c'est Axel. Au prochain débat, faut vraiment que tu demandes l'aide de Karine, hein. Oui, c'est Axel. Vraiment. Bon, Karine. Axel. Là, Karine. Ça va pas. Axel. Oui, n'importe quoi. Axel. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi, Axel. Dieu. Axel. 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 Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Axel. Axel. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Axel. Karine. Gérard. C'est quoi ce cirque, là? Gérard. C'est Axel. Le casque. C'est quoi ce bordel, là? Le casque. Le allô, casque, c'est Axel. Gérard. La conclusion, Axel. Axel. Oui. Ta conclusion. Ouais, bah je vais te la faire, ma conclusion, tu m'entends? Tu m'entends? Non, je t'entends pas! Ah ouais! Bon, allez, j'arrête, allez hop! Top d'air, mon pote! GG! Non, mais ça vient pas du standard, ça vient de son téléphone! Mais c'est pas possible de faire une conclusion comme ça, personne n'entend! Gérard! Mets ton casque! Allez hop, moi j'arrête! Gérard! C'est quoi là? Gérard! Regarde, elle est là, Karine, tu vois, ça change rien, ça vient pas! Non, c'est merde, tu viens là ou quoi? Gérard, t'arrêtes de crier toutes les deux secondes. Oh non, moi merde! Arrête de crier! Non, attention au micro. Arrête de crier! Mais viens là, merde, c'est quoi ce bordel? Bon, Gérard, c'est quoi, tu réponds ou qu'est-ce merde? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est quoi les problèmes? C'est quoi, là, tu me fais, toi, à l'arrière? Quoi? Gérard! C'est le bordel! Mais c'est Manu et Gérard. Olivier, là, arrêtez un peu! Non, mais on fait rien! Gérard! Putain, mais c'est quoi ce cirque, là, depuis tout à l'heure? Gérard! Fais ta conclusion! Fais ta conclusion tranquillement! Gérard! Gérard! C'est Axel! Gérard. Alors Axel, conclut! Gérard! C'est la conclusion? Ouais! Alors, le débat ce soir c'était excellent! Excellent! C'était pas trop mal! Pas trop mal. Je voulais te dire que je t'aime! Ouais, bah dégage! Allez, bonne nuit! Que je t'aime! Bonne nuit! Que bonne je nuit. Voudrais te dire, déclarer ma flamme aujourd'hui! Les bananes de rocker et. Car je t'aime beaucoup! Ouais, bah c'est bon! Aussi. On va mettre les bananes de rocker! Non, mais je t'aime, Gérard! Ouais, non. Bah bonne nuit! Fais ta conclusion! Je t'aime, Gérard! Gérard, fais ta conclusion aussi. Gérard, ok. Non, Gérard, tu fais ta conclusion aussi. Conclusion, c'est dommage parce du débat. Ils sont tous partis, Gérard. Ils sont tous partis. Y a plus personne. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Non, regarde, j'éteins la tranche. Y a plus rien.
Donc conclusion, c'est dommage parce que ça je pensais que le premier débat allait bien se passer comme les autres. Bah oui. Et apparemment ça a foiré. Mais comme là ça continue. Donc j'espère que le deuxième il va se passer mieux que ça parce que sinon je fais 6 questions et à 3 heures j'arrête. Donc en de bon entendeur. D'accord, salut. Mais ta conclusion sur le débat parce que sur le premier débat de manière. Qu'est-ce que t'en penses toi alors? Moi personnellement j'ai pas posé toutes mes questions et j'aurais bien voulu que tout le monde réponde. D'accord. Et la vie en couple? Et la vie en couple de toute manière. Toi à 2, à 3, à 4, t'es d'accord? Ça se fait à 2 et c'est tout point final à la ligne. Point voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. D'accord. Et le disque c'est quoi? Les bananes de rocker. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Avec je me gratte trace de frein et c'est tout. D'accord. À tout de suite.